Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis un petit peu dans le gaz. Et comme vous pouvez le voir, Totoya, ça y est, la semaine dernière on lui a fêté son anniversaire, mais il n'a pas voulu vieillir. Là c'est tourbillon. Vous connaissez l'animal qui fait le tourbillon? Lui il est en pleine imitation du tourbillon. Voilà. Et j'ai fait pause au bon moment parce que ceci est la toute dernière fois où on voit son petit visage d'amour, sexy, beau, ça sent encore la crème. Et tout simplement Totoya quoi. Maintenant il va devenir un gras du bide vieux, à moitié mort, le pied dans la tombe. Voilà, vous êtes prêts? C'est parti. Oh là 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 là. Oh, regardez ce ventre. Pire que... Non, le mien est pire. Ouh, les ridounes. Oh là là, les rides. Oh là là, les rides. Oh, les rides. Oh, Totoya. Totoya. Totoyoto. Oh, Totoyoto. Ah, ça va moins donner des coups de rein, hein. Mais pleure pas, on a fait ton anniversaire déjà. Oh. T'as juste pas voulu dormir. Vieillir à ce moment-là, qu'est-ce que j'y peux, moi ça... oh, j'en ai marre des lapins. Salut, Freddy Eve, comment vas-tu? Il a bouffé? Il a bouffé quoi? Le vieux Toto. Il a grossi. Bah, c'est la vieillesse, hein. Ah bah, il s'en fout, hein. Ah ah ah. Hé, chez les mosques, ah. C'est la vieillesse, regarde-moi. Bon, il n'y a pas que la vieillesse, mais... Il me semble qu'Opaline va pouvoir aussi quitter le nid, parce qu'elle va devenir jeune adulte. Nous allons donc rester avec le Hulk. Et elle a... Hop, hé ! Nickel, elle va devenir vieille aussi. Ah bah, c'est super, vous pouvoir crever en même temps. Avec Toya, si c'est pas merveilleux. Un couple de vieux. Ils se sont mis ensemble en étant vieux et moche et puant et croulant. C'est beau. Tu vas passer la spi, tu vas te laver ce que tu pues. Tu iras bouffer une autre fois quand j'aurai envie. Ça va, Freddy, ça va, merci. Trop de bière. Waouh, c'est pas bon la bière en plus. En plus, c'est pas bon. Enfin, moi, j'aime pas. Opaline! Opaline! Opari parino! Opaline! Opari parine! C'est ça l'amour, c'est ça. Comment ça va ici? D'ailleurs, j'ai craqué, je me suis pris le pack déconateur. Le mois pro, je prends la ferme. Super, Clara! J'espère que tu vas bien, bonsoir à toi. Et bien, j'espère que tu t'éclateras avec la décoration d'intérieur. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas repris des petites missions. Je sais pas si ça vous intéresse qu'on reprenne un peu les missions de déco d'intérieur. Histoire d'avancer. Qu'est-ce qu'elle a? Mais je m'en fous, moi. Non, non, t'as pas nettoyé, hein. Petite anecdote du soir, bonsoir, l'autre soir, en rendez-vous galant à la personne me demande ce que j'ai fait aujourd'hui, je lui réponds tout naturellement, j'ai astiqué toute la journée, j'ai mal au bras droit. Je ne pensais pas que ces phrases auraient d'autres significations. Voilà, voilà. Salut King of Pom, comment vas-tu? Justement parler de toi tout à l'heure. Ouais, tu es... On dirait que tu cumules sur ton CV, hein. Alors, toutes les allusions sexuelles dues à un vocabulaire, moi, je les fais. Check. Tu me flingues. Tu me flingues. J'espère que tu vas bien, en tout cas. J'espère que tu as la forme et que bah, tout va bien pour toi. Salut, ma beauté. Mon héritière. Ah, ah bah, vas-y, fais le ménage. Si t'as envie de faire le ménage. Le 12, je prends le pack via la ferme, jour de la paye. N'hésitez pas à passer par mon lien Instant Gaming si vous passez par Instant Gaming. Non seulement vous paierez moins cher, mais en plus, vous soutiendrez la banderole. Je vais encore me marier toute seule. Oh, on a pensé à toi tout à l'heure en plus. Je dis, on va commencer à jouer, sauf si King of Pom revient avec une de ses anecdotes.
C'est juste super, j'enchaîne les mauvais trucs. Oh, mon biquet. Pire que ton cambriolage? Ah bah ça y est! Oui, il y a une petite musique maintenant quand les Sims vieillissent. Oh, la vioque! C'est plus trop un style de vioque, ça, madame! Et bouffe-le ton gâteau, va. Manger part de gâteau d'anniversaire. Ah oui, c'est carrément marqué gâteau d'anniversaire, quoi. Ça sent encore la crème. Ouais, tout le monde se bouffe du gâteau, quoi. Naïe flouf! Naïe flouf! Ils sont tous habillés en vert. Leur pomme était coincée dans la... C'est sympa la musique, mais c'est nouveau. Bon, ça c'est la musique de vieux avec anniversaire pas fêté, mais quand c'est fêté, il y a une petite musique sympa. Merci Nani, c'est gentil. Et merci Lilith pour ton follow, bienvenue à toi. Tu vois que j'en vois toujours. Et je commence depuis hier, j'ai commencé à faire mon salon. Hier, je vais déménager ma Sims pour faire un truc cosy et chic, mais simple à la fois. T'as bien raison. Éclate-toi bien. Bah, elle est contente, elle. Si t'es contente, fais le ménage. Je suis vraiment une connasse. Si t'es contente, fais le ménage. Toi aussi, tu vas être lavée. Et elle... Ben, en vrai, ils ont pu... Il n'y a plus de gâteau. Ah, il n'y a plus rien. Ils ont bouffé tout. Ah non! Trop bien, on va pouvoir fêter son anniversaire. Toute seule, dans la salle à manger. Ah, allez, souffle les bougies, ma cocotte. Non, on n'accompagne pas. Vous aussi, quand vous faites votre anniversaire, vous faites un avant de tourner sur vous-même. Ça me paraît logique. Je viens d'apprendre via la ferme, du coup, j'arrête pas. Ah, il est cool, hein. Il est prenant, hein. Alors, comme elle n'est pas notre héritière et qu'on s'en fiche, eh ben, on va lui donner un truc au pif. 1, 2, 3, elle sera parano. Génial. Et ça sent encore la crème. On dirait qu'on m'a tartiné de crème quelque part. Il y a 40 pots de crème d'ouvert. Tu te fous de ma gueule, Douya. Bâtard. Je lui demande qu'elle mette les bougies d'anniversaire pour qu'on se resserve du gâteau et lui se serre dedans. Et oui, du coup, hier, j'ai perdu ma carte de paiement et m'en suis rendu compte que le soir. 2 000 €. Signe OK. Mais c'est traçable, ça, King of Pomme. Normalement, si c'est quelqu'un qui s'est fait livrer et tout... Enfin, je sais pas si c'est sur Internet ou pas, mais c'est traçable, hein. Putain, mais t'as... C'est vraiment pas cool. Un voisin fait peut-être de la bonne crème. Non. Il est gourmand, papy. Bah, il casse ses couilles, ouais. Bon, on va te la caser, là, là, Opaline. Là. Qu'est-ce que t'as dans le gosier, là? Jules. Jules Fougère. Mais oui, Jules. Allez, hop, viens. Toi, on va te maquiller avec Jules. Vous allez faire des gosses. C'est pas grave s'il est plus vieux. Je m'en bats les steaks. Et ça ressent la crème... Alors, ça ressent la crème. Tu vas me faire un pipi et une douche embuée. Pour faciliter la drague. Brrr. 9-3, 9-3, RPZ, bois. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un rappeur. Je suis vraiment pas Tom, ta sœur. Je suis le rappeur Fougère. Ouais, tu me vois. Tu sais que je gère.
Oui, la banque rembourse, mais moi aussi, je m'étais fait arnaquer via un mail frauduleux, c'était il y a quelques temps quand même. Et ben, c'était 3000 balles que j'avais perdu. Ils m'ont tout remboursé. Ah bah oui! Bah t'as raison, Gaston, viens dans la Plus salle de bain alors bas. qu'elle est en train de pisser! Non mais Ray, ça va se foutre à poil dans la douche maintenant, Janou là. Il est fou lui. Salut petit cœur, comment vas-tu? Non, moi j'utilise pas de crème moi. Ah non, mais moi j'y vais à la à, hein? Directement le caca? C'est pas de la crème? Je comprends pas d'où ça vient. Même si ça vient du couloir, c'est quelqu'un qui a renversé un pot et qui en a foutu partout, c'est pas possible. Pour que ça sente autant, c'est pas possible. Quel mot? Pour répondre à une question, Pomme a utilisé des mots interdits. Le professeur en est encore sous le choc. Oh non, cela mérite une punition. Ouais, va le draguer lui. Partager des photos. Tiens, regarde, ça c'est moi sous la douche. T'es pas venu voir, alors je te montre. Ça te plaît? T'aimerais toucher mes nénés? Elle est là pour sans se caser, après se casse. Hein. Oh, Dom Kufu! Oh, yes! C'est incroyable ça! T'as pas quoi? J'ai pas quoi? De repos aujourd'hui? T'es bien. Moi j'avais un souci à moins 800 qu'ils ont pris un genre. Et salut Lessine Loussandre, comment vas-tu? Céline Loussandre, j'ai dit Lessine Loussandre, oh là là. Je confonds tout moi aujourd'hui, hein. Je vais dans tous les sens. Ça ne va point du tout. Tu feras une petite blague salace, tu le connais pas tant que ça, mais. T'es un de tes voisins? Il s'est badigeonné de crâne et qui se frotte à la porte d'entrée, c'est pas possible autrement, je te jure. Ah! Toya se cache dans un placard ou demande de l'aide? Ou se cache dans l'aide et demande un placard? En même temps, on s'en fout, on arrive au niveau 10 avec lui déjà. Donc, c'est facile, hein? Il fabrique la crème? Non, je pense pas non plus. Les chats seraient pas en train de jouer avec ta crème, ils dorment, les chats, donc pas du tout. Non, et j'ai zéro crème qui sent comme ça. C'est vraiment un parfum spécifique, donc. On dirait limite un truc pour bébé. Ça fait de l'urticaire, ça. Il demande un placard? Ok. Enfin, voilà, toujours de la chance. Bah, mon biquet, tu es avec nous? Ça te va au niveau chance ou pas? T'as intérêt à dire oui. Qui a des bébés dans tes voisins? Que elle. Puis là, tout à l'heure, c'était la foire. Hein. C'est tout, j'entendais tout par la fenêtre, ça gueulait, elle qui parlait, qui racontait, machin. Alors, Ed, hop. Il n'aime pas la peinture. Oh, mon Dieu. On a. Tu. Ah oui, il y a que toi qui es là. Nettoie l'habitat, parce que là, ta merguez, il va crever. Il va peut-être la mordre. J'ai un manin qui va te déposer un bébé, bah tant mieux, bah il va rester là. Hein. Si ça pleure, coup de pied. Je peux pas faire celle qui croit, mais certaines odeurs de crème ou fleurs arrivent sans raison, c'est une signification parfois. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Que je vais être enceinte? Je vous dis tout de suite, c'est l'immaculée conception. Direct! À moins que je me sois faite. Hein? Dans mon sommeil par un fantôme, c'est pas possible. Ils ont tout fait tomber, bon, ça m'étonnerait même pas. Je sais pas, elle a abusé de la crème. Elle a cru qu'elle pouvait avoir une peau de bébé avec sa crème. Non, mais vu sa gueule, ça m'étonnerait. Elle a plutôt une phase de cul, de phase de... Et même encore moins de phase de cul de bébé, tu vois ce que je veux dire?
Salut Al, comment vas-tu? Charmé enceinte, moi non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Oh, direct. Ils se connaissent à peine, hein. Ils se connaissent à peine. Mais c'est pas grave, ils vont se rouler les pelles. Mais oui. Douze mille de factures. J'avais oublié qu'on était... Que la maison valait aussi cher en factures. Ceinture, l'examen. Non. Ah oui, bah forcément par la fenêtre. Oui, c'est vrai qu'elle jette tout par la fenêtre, cette pute. Pardon. Tes voisins me rappellent les anciens voisins. C'est peut-être les mêmes. J'ai une voisine qui faisait souvent de la brioche et elle sentait chez moi. Ah oui, non, mais là, la brioche, c'est bien, ça, par contre, tu vois. Qui veut te mettre enceinte sur les personnes? Heureusement, pour le monde, vaut mieux. Pour le monde, il vaut mieux. Tu vois ce que je veux dire? Putain, j'avais oublié qu'on avait un... quelqu'un qui faisait faire le ménage. J'ai complètement oublié. Un souvenir, la rose, lavande ou crème style mamie ou bébé, c'est pour t'apaiser. Ça se fait rassurant de te rappeler quelqu'un. Ça me rappelle absolument personne. Personne, malheureusement. Ou heureusement. C'est marrant, je savais pas. Non, mais ça a forcément une explication, tu vois. Je sais pas. Renverser un pot et puis que là, avec les autres, avec les courants d'air et tout, bah ça sent, tu vois. Pardon, brioche. J'ai fait une brioche vendéenne, c'est super bon. Mais partage, King of Pomme, qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de ne pas rire pendant mes aérosols. C'est quoi ça? Tu sniffes des déodorants, Tunda? Ça va pas aller bien, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sniffes des déodorants? Ça reste quand on a des chats, très bien. Mais oui, c'est mes amours de chats, des bébés, ça. J'irai pas plus loin que des bébés chatons. Hein. Ils en ont rien à foutre. Ouais, elle a le feu au cul, là, Opaline. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. J'avais pas vu les fonds du foyer, ça, la vie est belle. Bah oui, on a gagné au loto. On a gagné à la loterie avec le Notsoberry, donc oui. C'est clair que la vie est belle, hein. J'ai plus à m'en faire pour la fin du challenge, hein. Tout franchement, on pourrait même faire la suite. Je pense qu'on est tranquille niveau thune, hein. Et salut Pauline, comment vas-tu? À mes heures perdues, je fais de la pâtisserie. Oh là là! Moi j'avais une voisine de palier, faisait une recette au poisson trop bizarre, ça pue la mort et elle s'inquiétait, faisait penser à un cadavre. Oh! Mon dieu. Vraiment bien pourri. Bah ça, tu vois, je crois que je préfère en sortir la crème encore, tu vois. Si seulement, mais non, c'est des médocs tellement pas agréables, super bon shit. Ah d'accord! Ah, t'as une bronchite du coup? Bah voilà! Moi, ma voisine à l'époque, quand j'habite seule, elle faisait de la cuisine macrébénée, ça sentait trop bon. Par contre, je déteste sa tenue de wesh. Tu vas pas lui dire. Non, non, tu lui dis pas au revoir, hein. Tu repars avec lui, hein! J'avais oublié! Pomme a rencontré le Raoul à l'école! Je sais pas. Je sais pas si on se tape Raoul. Je sais pas. Je veux vous le dire que je ne sais pas.
J'ai envie de pécholope, emballer, c'est pesé, ciao. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'avais complètement oublié que Raoul serait dans les... Ah! Amukishina. Tube. Parsagaprabe. Varnoi. Domsabuna. Arbs. Est-ce que Raoul ou pas Raoul? Malgré Béné? C'est Chantal. On peut pas résister au charme de Raoul. Vous avez ma famille avec Raoul sur Discord. Oui, j'ai vu, monsieur Kahn. Regardez, la jauge d'amour est tellement plus grande que la jauge d'amitié. C'est une entente qui se passe très bien niveau sexuel. Elle a dit, c'est quoi ce mec? Il fait bien crac-crac, moi je veux le garder. Je lui mets le grappin dessus. Et vas-y quoi, je vais même lui faire un gosse dans le dos, tiens. Dab. Team Raoul. On pourrait juste taper Raoul en premier juste pour le fun, mais pas en époux. On verra. Petite part de brioche vendéenne et confiture de mur, maison et une bière. La bière est maison, j'espère, quand même. Est-ce que Pomme doit inviter chez elle son camarade de classe Raoul? Un petit sondage dans le chat. Petit sondage. Da la 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 la. Si j'ai pu écrire. Allez, vous avez une minute pour voter. N'hésitez pas à refresh si vous ne le voyez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il dit quoi? Mais il y a un nom qui... Il y a un mot qui respecte pas. Oh, mais tu es nul aussi. Je voulais écrire tabarnak. Il a pas voulu que je mette tabarnak. C'est nul. N'hésitez pas à voter, n'hésitez pas à refresh non plus si vous ne voyez pas apparaître dans le chat. Bien sûr, le chat Twitch, le chat YouTube aura du mal à le voir. On compatit. Vous subissez les choix du chat Twitch. Hein. N'hésitez pas à venir pour les engueuler. Hein. Je rêve, le gamin s'appelle le Hulk. C'est pas un rêve, Pauline, il s'appelle bien comme ça. C'est Rayu qui nous cherche, pas nous, donc on le veut. Et moi avec ma pauvre pizza de merde. Oh là là! Mon soldat! Pff, toujours en. C'est de la bonne pizza? C'est ça si tu l'as achetée toute faite? Ouais, non, ça c'est. Non. Mais si elle a été faite au moins par un pizzaiolo, ça passe. Et c'est un oui. Oh, 70%! Je pensais vraiment que vous auriez été à 100%. Genre 100% de vote, oui. Il y en a quand même, non, qui disent oh, vas-y, fais chier avec son Raoul. Projet scolaire. Mais qu'elle est belle, notre petite pom-pom-pom-pom-pom. Il est où? Il est là! Raoul, qu'il est beau avant qu'il monte. Il est beau, Raoul, il aime ça quand on le. Raoul, tu es beau, il est fort, il sent bon le. Roquefort. Raoul. Va Ken avec lui. Va Ken avec lui. Petit bébé comme ça.
Mais Raoul revient là? Ça y est, ils nous ont entendus. Il ne veut pas venir. Raoul! Raoul! Madame s'est perdue. Oh putain! Oh c'est le... Eh! C'est quoi ça? C'est le quartier des vieux ou quoi? Il va falloir qu'on déménage, hein. Ça ne va plus. Raoul, il aime pas le Red Bull. Ah si, il est là. Il s'est rechangé. Salut Raoul. Ça commence à mal partir. Super. Il a pas de conversation. Il est beau, mais alors il y a zéro converse. À la tienne, Pauline. Je vais bannir ceux qui ont dit non. Je sais qui c'est, de toute façon j'ai les voteurs. Attends Jacqueline, tu vas où? Tu vas te plaindre de tes parents? Non. Tac. Discuter. Et Raoul, Raoul, viens ici ma petite crapule. Raoul, Raoul, tu aimes ça quand je te lèche le bulle. Ah, casse aux dans les escaliers. Non, 3, 2, 1. Roquefort est avec une baguette ou une baguette et du vin. Oui. Pomme a fait une remontada. Avant était pourri et maintenant canon. Tout à fait. Oh mon titoun. Raoul il est à Sibylle. Bah oui mais... les abdos que nous on a réussi à avoir avec Sibylle. Je propose une dénonciation publique des jaloux qui ont dit non à Raoul. Raoul? Raoul? Je regarde. Pas de soucis, Clara. Bon courage à toi. Elle ira vivre où l'héritière? On ne sait pas encore. Il y a moyen qu'on aille à Soulani, mais peut-être pour la dernière génération, ou je sais pas. Papa Raoul, il n'y a pas moyen, il est à Pomme. Ça nous est pareil, Raoul ne connaît pas Sibylle, mais Sibylle n'existe pas. C'est comme la cuillère. Ah, Spina. Propia Bosa. Apiam Apollo Chapa. Et Bazaric Tumbra Zanoi. Anyawa et Narva. Jusha. Dernoy. Aha. Dernoy Plus. Allez, fais un peu connaissance avec suggérer des activités amusantes. Quoi donc? Je ne sais pas. Mais vas-y, mais reviens Jacqueline, se met tout juste maintenant à poil. T'as rien compris au film toi, quand les filles elles se mettent en maillot de bain, c'est là qu'il faut rester pour mater. Pour évaluer la marchandise. Ça va, hein, c'est pas la pire. Hein. Vous m'avez pas vu en maillot de bain. Hein. De toute façon, je mets pas de deux pièces. C'est forcément un carnage. C'est quoi, Derek, la cuillère? Bah, la cuillère n'existe pas. Non, dites-moi pas que c'est... Que vous connaissez pas. La cuillère n'existe pas. Perso, j'ai dit non parce que j'ai trop pensé comme personnage déjà, le pauvre. Oh là là... Ça tombe bien, Raoul voulait voir à la mer à Soulani, c'est vrai. Bon, et il est où, là? Il s'est barré, l'enfoiré? Attends, les fenêtres. Non, ça, c'est lui, on s'en fout. On va aller l'enfermer, hein.
S'il faut, on l'enferme. Raoul. Heureusement qu'il y a le machin. D'accord. Lui, il a vraiment envie de faire du sport, hein. Cette dernière fonctionnalité est juste dingue. On va voir si c'est un geek. Il veut pas d'elle, pourquoi insister? Faut croire qu'elle est trop jeune pour comprendre les bonnes choses. Ah, économie d'eau, super. Ça va être le bon moment de déménager, hein. T'es où, toi? Mais... Ouais, parti court, mais... Le chant, c'est génial! Est-ce qu'il aime le chant, notre Toya National? Il veut faire du sport en chambre, bah alors... Bon, y a pas de souci, hein, mais dans ce cas-là, il faut qu'il vienne, parce que... Sinon, on est mal barrette, hein. On est mal barrette. Est-ce qu'il aime le chant, Toyette? Raoul, Raoul. Il aime. C'est pas grave, elle va lui faire découvrir l'amour. Bah, elle va elle-même le découvrir, tu vois. Non, il aime pas. Pourquoi il aimerait pas? Il nous a fait des petites chansons, déjà. Mon titi. Non, ça marche pas. Alors oui, 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 oui. Et un non. Et oui, donc on va dire oui. Oui, il y a du citron. Mais pourquoi tu dis... Il est là. Et de toute façon, il faut avoir des bons amis, donc même si c'est pas notre mec, faut que ce soit un bon ami. On va au moins s'en faire un bon ami. C'est comme ça que ça fonctionne, les enfants. Discute des derniers jeux. Tu vas lui demander... Faire connaissance. Pourquoi? Parce qu'elle s'ennuie. T'es pas fun, Raoul, hein. Enlève tes fringues, ça va peut-être me faire de l'intérêt. Foutu correcteur qui sait pas écrire. Toujours la faute du correcteur. Pas de soucis, Paulina, des bisous. On m'a envoyé, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, ça veut dire quelque chose? Oui, bien sûr, normalement c'est la meilleure soupe, mais ça marche avec confiture. Je sais, je... Aidez-moi les gens. Oui, ça, c'est une vraie expression, hein. Ça veut dire que bah c'est je sais pas, la personne est la mieux placée pour faire la je sais pas. Ça dépend dans quel contexte, j'ai envie de dire. Oh, bah, putain. C'est l'enfer, hein. Ça te dit que tu viennes dans ma chambre et que tu me prennes bain derrière histoire qu'on s'amuse un peu? Ouais, ok. Google. Oui, restons amis, c'est bien ça. Ce sont les vieilles femmes qui sont les meilleures au lit. Oh là là, Anne, elle balance. C'est forcément sexuel pour vous, cette truc. C'est pour vous, cette rêve, c'est forcément sexuel. Moi, je l'ai pas inclus comme sexuel, moi, perso, mais...
écoutez, j'ai peut-être pas l'esprit aussi pervers que d'autres. Je sais pas. Tu vas regarder un film. Et tu me casses les noix, toi, en fait. Bah, vas-y, laisse tomber. Bon, ils vont jamais y arriver à se parler, là, hein. Bon, tu m'as vu en milieu de bain, t'es intéressé ou pas? Quoi là? Ça suffit maintenant, hein. Que je sache là. Je te plais ou je te plais pas, mais au moins on passe à la suite, hein. Et après il dit qu'il est jamais sorti de son village. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah ouais, c'est Spring. Qu'est-ce que t'as dit comme connerie? Salut Line Rouge, comment vas-tu? Ça veut dire que les vieux sont les meilleurs. Oui, voilà. Mais non, c'est pas forcément sexuel, on est d'accord. Hein. Pour moi, c'est pas sexuel, on est d'accord. J'adore la table du salon. C'est majoritairement sexuel. Mais j'ai jamais entendu pour du sexe, moi. Eh ben voilà, Aurélie Sirène, elle s'est fait taper sur les fesses. Si tu as besoin d'un lien, il faut demander un permis. Mais qui c'est cette vache qui fait du sport en culotte en pleine rue? Encore? Elle rentre chez toi, parce que ça sert à rien, là. Vous n'arrivez pas à communiquer. Encore moins communiquer. Mais si, mais maintenant, il est retourné dans le salon. Faudrait savoir, hein. C'est n'importe quoi, moi. Ça me saoule, hein. Choufa, choupa avec moi. Car l'amour, ça plaisante pas. Servir le dîner. Des tacos au tofu. Il y a des obsédés ici, on est d'accord? T'as pas mis de lien. Ah. C'est que tu as tapé un truc ou que t'as mis le point trop près des lettres et lui, il a cru que c'était un lien. Tiens, Charles en culotte, c'est rare, ça a vu ça. Par-ci par-là, ça peut être considéré comme des liens. Ouais. Quand tu vas parler de vache, j'ai cherché une vraie vache, moi. Minoun, c'est moi la vache. Vous avez vu, il y a eu un tremblement de terre. Les Parisiens, ils ont dû le sentir. C'est moi. L'expression dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes est utilisée quand on veut dire que rien ne vaut l'expérience, les méthodes déjà vérifiées et rodées. Et bien ça, c'est le sens figuré car à l'origine... Au sens figuré, on utilise cette expression pour signifier que ce qui est fait et refait, les vieilles méthodes qui ont fait leurs preuves sont rodées, sont bien souvent meilleures que les nouvelles. Et par extension, il en est de même pour les femmes d'âge mûr, dites plus expérimentées. Bah, tu feras ton choix, mon petit King of Pommes. Si tu trouves que... Enfin, je sais pas qui t'a dit ça, et voilà, en tout cas, tu as ton explication. Ah, tu me saoules, mais... Vas-y, regarde un film et sors maladroite avec Raoul. Charlie en culotte pour attendre Raoul. Non, 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 ça, non, non. Charlie, dans le jeu, Charlie est bien heureuse. Quand on dit, c'est quand on dit, c'est dans les vieux qu'on fait la sauce, c'est qu'il n'y a rien de sexuel là-dedans. Ça veut juste dire que niveau nourriture, faut avoir l'expérience, faire les choses. J'ai juste que l'expression voulait dire que les vieux avaient plus d'expérience, donc meilleur dans le domaine. Les poireaux, voilà, c'est ça, les fameux poireaux. Là, la vioque qui va venir tout péter. Elle va se mettre entre les deux, évidemment. Il est actif, il adore la nature. Actif?
C'est pas mal ça. C'est vrai qu'il aime pas avec Sibyl, il aime pas la peinture. Non, la comédie. Bah il aime pas la comédie non plus, d'accord. Le mec relou en fait, je viens de lui raconter une histoire drôle, bah il a pas kiffé, j'ai oublié. Et Cucu Anaïs. Tim s'est passé Sven. Bah Tim obsédé, j'ai toujours utilisé comme ça. De toute façon, la version des femmes d'âge mûr m'a renjoui, bien sûr. Elle est adulte ou ado, car elle est ado. Ouais, elle est ado. Mais je sais qu'il est ado, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je l'ai su avant vous. Ouais, je peux me la péter ou pas? Un peu. Il le savait. Il est relou. Bah, il est Raoul le relou. Non, ça marche pas. Je vais aller voir le gnome, puis cours de français à 22h30. Des bisous. Ah, pas de soucis. Des bisous, King of Pom. Bonne soirée à toi. Bon courage pour ton cours. Il est parti? Ah oui, c'est barré. Cette fois-ci, c'est vraiment barré. On n'a pas fait les devoirs. Mais c'est pas grave, on va se espioter. J'ai pas vérifié du tout si elle a été enceinte, Opaline. A priori, non. Ouais, j'ai tenté le bébouze, ouais. Ouais, le bébouze, ouais. Tout à fait, ouais. Venir, c'est la Spiro et tu vas y dormir. Mais putain, mais meuf, t'es pas fatiguée? Oh, explosion nucléaire chez Merguez. Je lui ai demandé de passer l'aspirateur avant, mais bien sûr, elle ne va pas le faire, comme par hasard. Les Sims, toujours dissident. Ah là là. Il y en a des tordus quand même chez nous, hein, ce soir. Allez, 4h30 du matin, l'heure parfaite pour passer l'aspirateur. Dans la chambre à côté de son mec. Pourquoi pas, après tout? Qui sommes-nous pour juger? Elle va manger Jean-Guy. Je les ai tellement pas gérés. Ils ont fait leur life, hein, franchement, là. C'est difficile, hein, de faire les poubelles, là. Bah, va pisser, Jean-Guy. C'est l'heure. Travail de génie dans une heure. Les cours de pom 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 pom. Et oui, tiens, j'avais oublié qu'on avait mis le bar. Je l'ai vu, mais je l'ai pas. Parce qu'il faut qu'elle fasse mixologie. C'est pour ça. Prends ta douche, wesh. Non, on n'accompagne pas, on s'en fout. Le Hulk part à l'école. Et Pomme part à l'école. Bon bah là, ce sera même pas douché. Ah, et toi? Alors, t'as la gerbe ou pas la gerbe? Non, ça a l'air d'aller. Elle mange le tacos au poisson sans... Non, c'est au tofu. Le tofu, ça va pas lui filer la gerboise. Ah, si, elle est enceinte. Si, elle est enceinte. Si. Ah, oh, il m'a recassé les toilettes. Et merci Lisa pour ton follow, bienvenue à toi. 4h du mat,
où je me réveille pour le taf, où je peux dire qu'il y a une conne qui passe aspirateur, star, je leur casse dans le... Est-ce que des gens dans ce chat ont vu OSS? Mais que... Non, je veux pas que tu parles de ça, c'est du caca, ça. C'est nul. Difficile de le rater vu la couleur. Bah ouais, on a fait ce qu'on pouvait, on a essayé de faire du vert, et c'était... celui qui s'accordait le mieux. On va dire ça. Tu as rappelé ton mec, toi, après, hein? Et puis après, bah, ciao, Opaline, hein? Ciao, ciao! Comment ça, on s'en fout? Il n'y a plus de respect pour les vieux croutons de nos jours. Comment ça, on s'en fout? Qu'est-ce que c'est gênant? J'ai dit, on s'en fout des vieux? Oh. Ado enceinte, cadeau, c'est diablerie, mais c'est pas... Ça, c'est sa sœur, c'est Opaline. Opaline, elle est pas, ado, elle est jeune adulte. Il y en a, ils suivent pas, hein. Il y en a, ils suivent pas dans le chat, hein. Attention, hein. Vous allez montrer vos fesses, il va y avoir fessé, hein. Et salut, May Mystique Amnesia. Comment vas-tu? J'ai jamais regardé, mais comme c'est FR et en plus, il y a l'autre gland, là. Pour moi, c'est No. J'ai les films français, j'ai du mal. Hein. Il y a peut-être des trucs très bien, hein, mais bon. Elle a pris du cul. Non? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a ton mec qui arrive. C'est trop tard la convention geek, hein. C'était la semaine dernière qu'on l'attendait pour le concours. Hein. Maintenant c'est bon, on a élu notre héritière. Et voilà, lui il se marre. Yebs. Tu vas lui parler, tu vas parler au rongeur et tu vas lui le jouer avec. Le jouer avec. Ouf, oh ce look! Ce look! Quel magnifique short, vert. Tu vas être désirable. Tu vas exprimer ton affection. Et tu vas l'embrasser, Yaimé. Oh là là. Tout à fait, ligne rouge. Ah oui, la fessée, bah oui. Elles ont pas la même coupe. Alors, on va apporter son... Mon fils, j'ai répondu à votre place. Je joue Sims en te regardant, je joue Sims, la boucle est bouclée. C'est bon ça. Tu confonds les deux, bah je vois ça. Est-ce que tes Sims jouent aux Sims? Ah oui, parce que sinon ça sert à rien. Et il faudrait que le Sims qui joue aux Sims joue un Sims qui joue aux Sims. Et se dire que toi-même qui joues aux Sims, tu es peut-être qu'un Sims qui joue aux Sims. Pour un autre Sims qui joue aux Sims. Ce genre de truc. Du full Simsception. Mais oui! Demander en mariage. Bah oui, hein, vous allez faire une famille, hein. Allez hop, encore bébé. La mise en abîme, tout ça, bah oui. Oups! On a 24 heures pour payer les factures. Sauf que c'est genre littéralement 5 secondes après qu'il te coupe. Vous avez 24 heures pour payer vos factures, hein? Ah, bah non, on va couper tout de suite. On est dans la matrice. Je plains mon créateur, si je suis un Sims, je fais rien de ce qu'il me demande. T'en sais rien? Tu sais pas. Je suis Sims en te regardant jouer aux Sims. Qui joue aux Sims? C'est fou, Flelou, tout ça fait. Voilà, chaud au cul, la petite, là. Regardez-moi ça. Elle sait plus. Elle sait plus dans quelle douche se le prendre dans le... Je vais aller chercher de l'eau, j'arrive.
Et Jamie qui s'est réveillé. Mike on. Ah. Mike là. Off. Je suis là. Il y a un bug? Et il s'est resté coincé dans la douche? Je faisais un câlin à mon chaton. Je faisais câlin, Titi. Allô? Bonne soirée, Nélin, tu tires du 8. Bonne nuit. En fait, le problème de l'arbre généalogique, c'est que si on n'a pas les tombées tout, les ascendants disparaissent en fait. Il est bougué, c'est ça. Ah, ça y est, j'ai encore le nez qui va partir en. Cacahuète! Embrasser, discuter avec Julien. Ouais, vas-y, discute avec lui. Il est où? Mais il arrive. Il est pas pressé, hein. Giulio. Oh, Giulio! Il se les glace! Down him, Shersha. Gribbix about. Allez, il est temps de partir. Quoique non, pas encore. Non, t'es pas beau. Il vit. Petite tête de coquin. Toujours. Jamie. Et ses oreilles. Hein? T'as l'air explosé, chaton. Il est là. On va attendre qu'il soit 15h. Ouais, c'est con, mais... Complimenter la tenue. J'adore ton t-shirt vert. Et je dis pas ça parce que moi, j'aime le vert. Petite morve. Merci, c'est gentil. Toute beauté, le short, c'est ça. Bah, ça pécho, oui, bien sûr. Elle est déjà enceinte, hein, de toute façon. Regardez, double flèche. Nana, il est low. Il est low, t'inquiète. Allez, notre héritière est rentrée. Qu'est-ce qu'elle s'énerve? Bah alors, qu'est-ce qu'ils ont là? On dirait des jumeaux qui puent. Allez, chacun son tour. Demander conseil, tu vas rien demander du tout. Ta sœur va se casser de là, ouais. Allez hop! Ciao la sœurette! Je me trompe pas. Ouf! Ah. Oh la dégaine! Alors, elle, bah du coup, c'est une descendante de Sakura, la sœur de Shamalo. Oui, parce que lui, c'est Fougère, et c'était le copain de Sakura, mais ils se sont séparés. Alors, mais c'est logiquement pas de la famille. Prise des merdes. Ah non, ça nous va nous téléporter dans la nouvelle famille. Je déteste quand ça fait ça. Tu fais pas un test? Non, y'a pas besoin. Je sais qu'elle l'est. Pourquoi je devrais le faire? Ces fringues paranormales, c'est vraiment des pépites. Oui. Ah, je suis désolée, Freddy Ebb. Ça arrive, les bugs. Wow! J'ai eu très peur. Et ils vont vivre combien là-dedans?
Ok. Voilà, je sentais venir. À 5 dans cette maison. Ah, il y a un mort. On peut savoir qui c'est ou... Ah, il y en a deux. Pourquoi je peux pas savoir qui c'est? Ah, c'est Jean-Eudes. Et Luna. Bah, c'est les parents de... du garçon. C'est... Quel palace. Ah bah oui, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Eh ben, attends, Kikor, faut que je te... C'est misogyne ce que tu dis, il m'a dit, l'automode m'a dit que c'était misogyne que tu dises râleuse, donc fallait que je te valide parce que je n'ai pas de modo. Et comment vas-tu, Akikorp? Je prends en cours de route, du coup on peut m'expliquer brièvement l'histoire, l'objectif. Et ben nous sommes sur un autre Soberi. Donc en gros c'est comme un legacy sur 10 générations. Et chaque génération a c'est des objectifs précis à accomplir et une couleur qui les représente. Couleur qui représente et que tu peux retrouver sur ses vêtements, ses cheveux et peut-être si tu as envie de faire la maison dans les tons et tout ça. Mais aussi par ses traits de caractère. En fait, les créatrices ont décidé par exemple si l'illustration du trait délicat c'est vert, et ben ça ira dans la génération verte. Ce genre de truc. Je sais, t'inquiète, Akikor. T'inquiète pas. Mais on te connaît pas, toi. Alors, je t'avais pas demandé de te laver, en fait. Ouais. Lui, fait ce qu'il veut, je m'en fous. Mais toi, t'es mon héritière, donc tu prends soin de toi. Et c'est l'heure de la pub. Louis a demandé la pub. Je vais donc vous passer une petite page de... Une page de pub, ah. Yeah. Est-ce que vous aimez la publicité, ah? Il me reste ça du mois précédent, autant les utiliser à Jean 21, ceci c'est Jean 21, ceci c'est Jean 21, boule. Merci beaucoup pour tes bits, Clara, merci beaucoup. Et donc, vous allez voir des pubs, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous les voyez, puisque comme ça, sans rien faire, vous soutiendrez la banderole et me donnez quelques petits micro-centimes de dollars. Je vous remercie. À tout de suite. Vive Automode et son avis impartial, mais complètement... C'est exactement ça. C'est chouette comme challenge, merci. T'inquiète et regarde, nous on est déjà bien avancé parce que ici c'est le mur des héritiers avec portrait de chaque héritier de chaque couleur. Pepper de la génération menthe, c'est par là qu'on commence. Bordeaux de la génération rouge. Pulco de la génération jaune, le fameux aux yeux marrons. Nuage de la génération grise, les yeux marrons. Lila de la génération prune, puis ensuite Copper de la génération orange. Te fais des bisous et je soutiens la chaîne. Merci beaucoup Kikor, c'est gentil. Chamallow de la génération rose et enfin Toya de la génération pêche qui est donc encore vivant et au boulot. Et notre héritière maintenant c'est Pomme, comme tu peux le voir, génération verte. Du coup c'est évident qu'elle est de la génération verte. Voilà. Il s'en passe des choses dans les escaliers. Mais je suis con, de toute façon, tu dois te maxer en jeu vidéo. Pourquoi tu joues pas aux jeux vidéo, en fait? Va jouer aux Sims. Ah oui, non, c'est pas les vrais Sims, ça. Et donc, génération verte, ils sont geeks, entre autres, et ils doivent maxer la compétence... Ok. Quelle vieille conne. Ils doivent maxer, entre autres, à la compétence mixologie, la compétence jeux vidéo et la compétence programmation, entre autres. T'as une petite couronne à côté de nom. C'est quoi Prime Gaming? C'est Prime, c'est en gros, c'est... Tu sais quand... En gros, c'est un abonnement Prime sur Amazon. On paye pas les frais de livraison. On les a beaucoup plus vite.
Et en même temps, on a accès à Prime Video, qui sont des films et des séries un peu comme Netflix, mais en moins bien. Et en plus sur Twitch, comme c'est Amazon et Twitch, c'est voilà, c'est bisbis, c'est un peu la même chose, ça a été racheté. Et ben, c'est-à-dire que ceux qui ont Amazon Prime et qui ont la petite couronne bleue, ils peuvent s'abonner gratuitement à une chaîne sur Twitch, c'est-à-dire devenir un sub et avoir les émoticônes, c'est-à-dire qu'ils dépensent pas, mais ils peuvent le mettre chez quelqu'un. Donc après, chacun choisit le streamer qu'il veut soutenir avec son compte Prime. J'aime beaucoup tes Sims, ils sont beaux. Merci, c'est gentil. Mais c'est mignonne. Oh, oui, Lynette l'est, mais moi, je sais pas. Normalement, je l'ai, moi, mais j'ai toujours pas lié mon compte avec Prime. Donc, j'ai toujours pas donné mon Prime. En même temps, je saurais même pas à qui le donner. Donc, je voudrais pas qu'il y en a qui se sentent vexés. Donc, en vrai... Voili voilou quoi. Bon, c'est pas très intéressant, mais comme il faut qu'elle... jeux vidéo niveau 5. Bah ouais, je m'en fous qu'il aime les jeux vidéo, je m'en tape en fait. J'appelle pour vous informer que le grand-père d'un ami de votre arrière-arrière-grand-petit-cousin est décédé et vous a curieusement légué une énorme fortune. J'étais sûre que tu dirais ça, t'es mignonne aussi, tiens, prends agent 21, boule. Oh, merci beaucoup, Line Rouge, pour tes 200 bits, merci beaucoup. Des bisous, mon Zelda, bonne nuit, petit enfant. Argent, on prend. Mais on est déjà blindés, on a déjà 1 million. On prend le sou, on s'en fout. En vrai, on est déjà millionnaire, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? On dirait train de live en approche. Non, 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 j'arrête le live. J'arrête le live. Condition. La condition sine qua non. Sous quelles conditions? Tu vas avoir des pépettes, c'est 5 000. C'est de la merde. Et salut Carovaillo à la tienne. Si on peut, je crois que c'est 1000... 2005. Ça ne change pas la vie. Oh, bonne question. Eh bien, il y avait des conditions, mais une des conditions était qu'il n'y aurait pas de conditions si vous demandiez s'il y avait des conditions. Alors, il n'y a pas de conditions. Une petite seconde, c'est bien ça? Voilà. 2500. Dans la vraie vie, tous les jours, moi, je suis pas contre. Dans les Sims, ils ont 1 million, qu'est-ce que tu veux faire? Ça nous fait rien de mieux, de plus, de moins. Après, tu vas être obligé de les marier. Bah non, du coup, pas cette fois-ci, ça doit être aléatoire. Ça fait un peu d'argent de poche, mais oui. Il s'est recouché. C'est pas très intéressant ce qu'elle joue pour l'instant, mais... Ouf, c'est bon, ça passe. Merci beaucoup, Line Rouge, pour l'abonnement à Pauline. Merci énormément. Gros bisous à toi, Ismaël et Boule. Merci beaucoup pour le soutien à gorge. Et vous avez pas déclenché le train. C'était trop tard. Et merci quand même. Je suis déglinguée. Je dors debout. Voilà, bientôt fini sa séance de jeu. Elle est fatiguée. Elle ira pisser. Il est que 21h, hein. D'où t'es fatiguée à 21h? N'y a pas de chouchou. Regardez, il est parti. Bah moi, je le vois pas, hein. Pour moi, il n'y a pas, hein. J'ai pas encore, vous abusez, hein. J'ai pas encore changé et eu le temps de voir pour faire un nouveau train de la hype. Vous exagérez un peu, non? Et moi, j'ai pas eu le temps. Non, je vois rien, moi.
tu vois rien. Kinaya. Mais... L'autre, elle est venue nettoyer le bar tranquille, quoi, normal. On va retenter le train de la hype. Non, mais regardez vos sous. Merci beaucoup, Amnesia, pour tes 200 bits. Merci énormément pour le soutien-gorge, évidemment. Oh putain. Faut que je montre à YouTube. Alors YouTube, voici ce qu'on appelle le train de la hype, c'est ça. C'est pas grand chose, hein. Mais c'est le train. Et du coup, voilà, maintenant, pendant 4 minutes 30, ils vont pouvoir envoyer des bits, faire des sub gifts, faire des subs, ou se sub eux-mêmes. Et en plus, bah du coup, moi, ça va me rapporter des sous-sous, hein, on va pas se cacher. Et en même temps, bah eux, ils vont gagner des petits émotes dégueulasses d'animaux. Et il y a 5 niveaux sur le train de la hype. Là, nous sommes qu'au niveau 1. Mais vous voyez comme il est déjà bien rempli. Et il y a jusque 5 niveaux. On y va les petits cucus. Voilà, et ils peuvent voir ces magnifiques émotes de chiens et de chats absolument dégueulasses. Parce que ça dépend. Il y a des périodes où il y a des émotes avec un thème. Et là, le thème, c'est vieux animaux dégueux. Voilà. Merci beaucoup pour le train de la hype. Merci énormément. Merci Anne pour tes 100 bits, merci Lynn Rouge encore pour tes 200 bits, merci Lynette pour tes 300 bits, merci beaucoup à Béanaïs et à Ticker pour ses bits, merci Amnesia pour tes bits, et merci Béanaïs pour tes bits, merci beaucoup, qui ne servent pas à grand chose, oui en plus ils sont moches et ils ne servent pas à grand chose, alors je vais mettre le fameux train dégueulasse parce que je n'ai pas le temps de faire autre chose que cette merde, mais... Ils aiment bien que je mette ce vieux train dégueu. Alors mettons ce vieux train dégueulasse. Merci Line Rouge. Je vous montre ma collection. Voilà, c'est magnifique. C'est pour notre âme de collectionneur, c'est ça. Faudra mettre Titi en conducteur. Moi, bichon. Chouchou. Il fait la tronche. Il fait la tête Tyrion. Il veut pas faire câlin, maman. En ce moment, il m'aime pas. Je pense qu'il en a tellement marre de se faire emmerder par Jamie qu'il m'en veut. Et merci beaucoup pour tes 100 bits encore une fois, Line Rouge. Et salut, Phoenix. Comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le train de la hip. Tu vois, tu as le train ici. N'hésite pas à embarquer. Si tu le souhaites. Du coup, on regarde... Notre petite pomme. Bon, elle est fatiguée. Qui faisait des cocktails. Là, elle va aller se coucher. Bon, il est minuit 2, meuf, ça va. Hein. Chouchou, bite à toi, d'ailleurs. Va dormir. Elle a pas fait ses devoirs. Et merci, Line Rouge, encore pour tes bites. Merci beaucoup. Ça va, ce sera un petit train ce soir. Vous êtes sage, c'est normal. Je vous comprends. Qui c'est qui fait des bruits comme ça? Mais elle fait... C'est bien, elle fait le ménage. C'est toi qui fait des bruits? Ah non, c'est son frère, c'est le Hulk. Merci beaucoup, Caro Vaillot, pour tes 200 bits. Merci beaucoup, c'est gentil. Quelle est la différence entre les vites et les cheers? Ben pour Simia, je ne sais pas. Pour moi, c'est la même chose au final. Parce qu'en vrai, je ne connais même pas la différence. Je peux pas te dire. Je sais pas. Peut-être que des cheers, c'est... Parce que, regarde, il cheers 7 bits ou 200 bits. Donc en fait, c'est... je sais pas. C'est un... les bits, c'est vraiment l'unité de la monnaie Twitch. Et le cheers, c'est le fait de donner, peut-être. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Niveau 2, c'est ça. C'est un petit train-train, ça. C'est bien. J'ai pas encore ma paye, donc je peux pas. Mais non, mais y a aucun souci. Hein. Y a zéro obligation. Alors là...
Qu'est-ce qu'elle fait? Mais va te coucher, Germaine. Avec ta tenue de flic. Merci, Anaïs, c'est gentil. C'est la même chose, il me semble, cher, c'est un cadeau de Beats. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ça y est, ça a refait moche. Oh, merci, Yann, pour tes 100 Beats. Merci beaucoup. Pour que Raoul rejoigne le foyer. Ça, j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de monde qui était pour. Et lui, il est 2h47 du matin. Il se dit, moi, je veux regarder un film à cette heure-ci. Heureusement, il y a Netflix pour ça. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouvez vous mater un film. Vive Raoul. C'est fou, parce que dès qu'il y a des sous, des grosses sommes, ça gueule dans mes oreilles. Merci beaucoup, Plume Lunalia, pour tes 300 bits. Merci énormément. Merci beaucoup. Ben non, vive Pomme. Ben oui, vive Pomme. Ah oui, est-ce que vive Raoul? Ah ben oui. Mais non, vive Pomme, évidemment, c'est notre héritière. Ah, c'est le film avec le lapin tueur. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont fait des petits films comme ça pour faire là sur la télé, quoi. C'est ça qui est marrant. Pomme et Raoul, alors. Peut-être, peut-être pas. On va voir si on trouve... si on trouve pas mieux, on ira sur Raoul. Le jour viendra où Shirley sera buggée. Mais je suis toujours buggée, là. Là, ça connecte pas. Mais Lynn Rouge. José. José, mais elle est con cette Chantal. Merci beaucoup pour tes 304 bits. Vous voyez marqué au-dessus, je suis con et j'arrive pas à compter. Merci beaucoup Lynn Rouge pour tes 304 bits. Mais n'hésite pas à les garder au fond de ton portefeuille. Ça va aussi très bien pour toi. Merci beaucoup pour le train de la hype. Oh là là, nous avons... Oh là là, quel magnifique chien. Et vive José. Quel magnifique petit chien avec la petite languette qui va sur le petit nez. C'est une sacrée langue d'ailleurs, la vache. Ah, voyons. Heureusement que les chiens, ils font rien de sexuel avec leur langue, mais... Sacrée coquine, la chienne, sinon. Allez, j'enlève ce train dégueulasse et merci à tous pour ce train de la hype incroyable. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Smiley Boule, merci beaucoup pour le soutien-gorge, évidemment. C'est bien, on avait tous eu le même chien. Steve devait perdu. Bah oui, bah il est plus dynamique, il est vieux maintenant. Il est obligé de se résigner, hein. Regardez-moi ça. Prends un bain au lieu de rester debout dans la douche, quoi. Pratique pour se décrotter le nez, tu me diras. Ah oui, la vache, oui. Avec une langue pareille, oui, ça va vite. Il peut même s'essuyer les yeux s'il veut. Zemo, tu viens de la hype, c'est Twitch qui donne au hasard ou c'est toi qui... Non, c'est au hasard. Les chiens se lèchent le derrière quand même. Les chiens se lèchent le derrière quand même, j'avoue. Non, non, c'est Twitch qui choisit, moi je n'ai aucun impact là-dessus, Simia. Si est-ce bon maintenant, je suis pauvre loul. Oh, bah oui, bah c'est ta faute aussi. Salut Kyopoti, comment vas-tu? Bon là, on regarde... Enfin, on regarde. Heureusement, on voit pas tout, mais... On a Toya qui est dans son bain. Et mon titi? Tu viens faire un câlin, maman? Attends, viens. Je vais l'attraper. Il va s'en aller. Et viens là, ma coucougnette. Mais quoi? Mais je veux pas t'en faire du mal. Château. Allez, Titi. Bon, il veut déjà pas rester, alors ça va être court, hein. Coucou. Coucou, maman.
maman. Coucou le chat. Coucou. Mon titi. Tu mon bébé. Coucou tout le monde. Coucou les abonnés. C'est toi, regarde, c'est Titi Coin Coin. Mon oui. Mon bébé. Allez. Bisous les abonnés. Bisous. Regardez cet air. Il est pas content. Mon chaton. Oh, petit chaton mignon. Mon oui. Ah ben, bah, j'ai l'autre crapule là. Regarde, vous voyez sa tête. Jamie. Non, marche pas sur le bureau. J'ai pas envie que tu marches sur le bureau. Ah. Coucou. Moi, c'est Jamie. Pendant qu'on a un plan sur la baignoire, c'est magnifique. Coucou. Ah. Voilà. Petit Jamie est là aussi. Les petits culs. Salut, petite dragonne, comment vas-tu? Oh, ça fait de l'orage dehors. Ils sont en mercredi. Il y a tout qui est cassé, mais j'en ai marre, ils cassent tout. Coucou. Qu'est-ce que tu veux attraper? Oui, c'est dur la vie. Ah bien sûr, on va pas accompagner. On va peut-être leur faire prendre leur retraite aussi. Hein. Oui. Oh la dégaine qu'il a. Hein, t'es pas possible toi. Mais non, t'as jamais dit de sécher l'école, Jean-Guy. Sa tête, les Sims là. Il y a même tout un étage et tout un toit. Je sais pas comment il a pu se prendre la foudre. C'est statistiquement impossible là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Bah oui, je veux bien courir à l'intérieur. Merci les Sims. C'est vrai que là. Et maintenant il danse. Il te manque un bout de toi, mais non, mais oui, bien sûr, c'est fermé partout, hein. Mais j'ai cru sur le coup qu'il avait les yeux blancs, mais pas du tout. Mais c'est pour ça que ça m'a mis. Il faut que. Est-ce que vous il sèche l'école et tout? Parce que dans le jeu, je sais pas pourquoi, il le considérait dehors et puis il s'est dit, bon, bah voilà, c'est aléatoire et ça tombe sur lui, quoi. C'est pas grave, il ira à l'école quand même. Hein. Se faire foudroyer n'est pas une excuse valable, tiens. Il y a encore la grosse qui court en culotte. Par contre, c'est elle a pas peur. C'est une warrior, elle. Salut Alicius, comment vas-tu? Ah, t'as raté un truc, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Bon bah ça va être rapide. Arrête, non, j'en ai marre, il les piège tout le temps les toilettes. Du coup, il casse tout le temps les chiottes. C'est à cause de lui que les chiottes sont toujours cassées. Il fera juste des étincelles, c'est déjà pas mal. Alors, ça, on s'en fiche. On va juste faire des amis. Voilà. Et on va attendre que la famille revienne.
Ah, elle va demander clairement un défi parce que je fais chier là, le petit Toya. Ah, tu es en lurque, d'accord. J'ai bien pu la foutre, d'accord. J'aurais la même réaction, toi. Bah non, mais je comprends pas là. Le pauvre. Il était à l'intérieur de sa maison, il se fait quand même. Eh, c'est Melba. C'est Melba. Visiblement, on a trouvé une autre personne qui a rencontré le même souci. Voilà, voilà. Il se sentira moins seul, notre petit le Hulk. C'est à cause de ça qu'il est devenu le Hulk. Enfin, le vrai Hulk. Qu'il va se transformer et tout. C'est parce qu'il se sera pris un orage sur la gueule. Enfin, une foudre. Il va peut-être même trouver l'amour comme ça. Ah bon ? Bah là, c'était, en l'occurrence, c'était une vieille, hein, donc je suis pas sûre que... Voilà. Alors, elle, Amandine, elle a l'air moche. Bah ! Qu'elle est belle, Opaline ! Regardez le petit rond bidou, le bidou rond ! Oh là là ! Je vous l'ai dit, hein, qu'elle était enceinte. C'était sûr et certain. Mais ça n'empêche pas de faire un peu de sports. Ou de passer devant la maison parce que ça lui manque déjà. Ah, je sais plus qui avait dit la table de salon, j'aime bien, c'est à vient avec premier animal de compagnie. C'est une table aquarium et ouais, c'est cool comme objet. Ah ben oui, mais toi, ça va pas du tout. Prends une douche froide et après, prends un bain... De mousse. Ouais, double, ouais. Ouais, non, mais je te sens que t'as besoin. Toi, t'as faim. Tu vas manger des restes. Il y en a pas. Il n'y a pas de reste dans cette maison. C'est cool. Tu vas servir le déjeuner. Tu vas faire des sandwichs BLT. Faut les chinelles anti-avoir, tout à fait. C'est pas l'âge qui compte. Il est pas... Oui, bah, de toute façon, c'était pas mon héritier, mais... Voilà, quoi. Tu peux savoir si une fille ou... Bah oui, avec le MCC, ouais. C'était moi, je pensais qu'elle venait avec le trait de paradisiaque. Non, non, c'est avec premier animal de compagnie. Puis sa nouvelle maison comprend qu'elle regrette son ancienne. Bah, tu m'étonnes. Et puis surtout, bah, son père lui a même pas donné un petit pécule de ce qu'il y a dans la réserve. J'ai rien donné du tout, hein. Sur les 1 million, j'aurais pu mettre de... Ils sont 3 enfants, voilà, 300 000 chacun. Que dalle. Que dalle. Elle a fait un enfant dans le péché. Non, je rigole, j'ai plaisanté, là. D'accord. Colère. On va pas s'approcher. C'est à qui ces devoirs là qui traînent par terre? Bah c'est à elle. Du moins, c'est peut-être hypothétiquement à elle, donc. Va falloir que tu les fasses tes devoirs parce que. T'as tendance à un peu rien faire là. Oh là là, c'est bientôt l'anniversaire de pom 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 pom. Déjà jeune adulte. Que va-t-on faire de toi, ma petite pomme-pomme-pomme ? Lui, il est enragé. S'il grandit maintenant, il meurt. Instant. Aidez à faire les devoirs. Avec son pull Moschino. Pommier délicat. Bah, dans 2 jours. Salut, ma Yoda, comment vas-tu? Ça démarche. Ah, bah, c'est. C'est les ados, hein, quand ils sont dans tous leurs états. C'est comme ça qu'ils marchent. J'ai encore ma. Mon nez qui gratte.
Milisek Batessa. Neshkefrom. Nesafinya. Wapano. Tu peux engueuler ton fils, wesh? Attends. Éducation. Discipliné, commandant. Sévère. Ouais, moins interdit. Tu vas te faire engueuler, le Hulk! Plus aucun souvenir de s'être fait foudroyer. Hein. Pourtant, je pense que. Dans la vraie vie, quand tu te fais foudroyer, tu t'en souviens un petit peu quand même. Un petit peu, quoi. Juste un peu. Ah, mais tu saoules. Tu vas t'inscrire au tournoi de jeu pour débutants. My Sims Racing, allez. On rigole. Et toute pimpante pom-pom. Moi, je suis un ado, je suis trop blasé de la life, c'est ça. Ta fille est venue passer chat sur cette femme, tant mieux. Le Luc, il y en a plein le derche. Oh, attends, il s'est pris la foudre tout à l'heure. Quand même. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je sais pas si ça existait, ce truc-là. De toute façon, comme elle doit se divertir et qu'elle doit maxer et ses compétences en jeu vidéo. Donc on y va. Hein. Mixologie, programmation, par contre, il faudra travailler là-dessus parce qu'on est, on est plus avancé en jeu vidéo que pour le reste. Donc, Mario Kart. Non, c'est My Sims Racing. Mais ça existe pas, un jeu Sims avec... des trucs comme ça. Mais c'est Mario Kart quand même, ça? Je sais pas, jamais joué, moi. Oui, on dirait Mario Kart. Salut Malo, comment vas-tu? Tu m'étonnes que tu t'en souviennes, il faut suivre ça, et si c'est le cas, tu perds tes membres. Ah bon? On est obligé de perdre des membres si on se fait foudroyer? Elle est pas chiante la musique, c'est ça qui est bien. Voilà, là elle est triste parce qu'elle a perdu. Mais on s'en fout, t'as gagné là où il fallait, au moment où il fallait, ma bichette. Donc tu es... C'est très bien, c'est pour ça que tu es mon héritière. J'avais mis tous mes espoirs en toi et j'ai encore ma Simself qui est en train de courir dehors. Là je l'ai vu passer avec sa vieille tignasse. Et son t-shirt violet. I've seen it. I've seen her. Tu as créé un virus et tu l'appelleras Corona. J'aurais plutôt dit arrêt cardiaque. Version mi de le Mario Kart. Bah écoute, ça va, Malo, ça va. On a assisté un petit peu à un truc chelou tout à l'heure, là. Parce que le Hulk, il s'est pris la foudre, mais il était à l'intérieur de la maison. Toi, tu vas te faire bouffer le doigt. Tu vas pas comprendre. Il va t'infester, tu vas crever. Ah, va te divertir, tiens, Jacqueline. Donc, madame, fais de la programmation. Corona, ce sera un virus bière. Exactement. Exactement. Je suis allée accro au jogging. Alors, toujours pas moi, non. Hein. Et Churado, oui. Notre héritière, oui. Oh putain, in English, please. Waouh, ça fait tellement longtemps. Oh, ça neige. Alors, bon, on va faire un... On va faire le petit... Alors, c'est... Ah oui, c'est vrai que sur ce téléphone-là, je sais jamais le faire aller. Où est-ce que c'est horloge et tout, là. Ah oui, c'est la horloge. Chronomètre. Non, minuteur. On va mettre sur 2 minutes. On pourrait courir comme sa mère. Qui ça? Sur qui?
Bon, alors c'est parti, je vais parler maintenant en 2 minutes en anglais, du moins je vais essayer de me débrouiller, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc je vais sûrement être un peu rouillette. Désolée pour ceux qui ne comprennent pas, vous inquiétez pas, dans 2 minutes, je reviens en mode normal, mais vous savez, ce sera un anglais un peu basique, hein. Je ne vais pas non plus commencer à parler de Shakespeare et compagnie. Hein. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis 94 heures et tout, n'importe quoi. Ah, si tu as l'électricité passe dans le corps, évidemment, tu te fais griller les membres. Après, il y a un homme comme... qui a perdu ses 4 membres et il est devenu célèbre à traverser la Manche. C'est parti pour 2 minutes. Go! It's on! I'm speaking only in English for now. For 2 minutes straight. Maybe, if I remember some words, because it's not the way I think, in generally. Okay, so you're gonna do some video games. Bowling. Wow. Wait, she's sad because she lose at the video games before. But now she's doing some virus to infest some... computer. Do you speaking very good English? Yes, so I can tell you that it's not speaking, and this is a E with instead of the I in about English, the first letter. But yes, I think it's good, but I have a very bad accent, and sometimes I don't know some words, so I make me understandable with other words. That's all. That's not mother of Lee Hulk, who's dead because of the pig. Yes, the mother of the 3 children dies because of the pig, Guinea pig, here. He has infest by, he bites the mother, and she died because you decided to let her go and not save her. So she died. That's all, and it remains only 10 seconds, and I will be free. Okay, good night, Kyopoti. Good night. Elle est très bizarre, cette... truc de... Voilà. C'était 2 minutes très intenses, très horribles. My English is very, very bad. Ok, that's no problem for me. Bonne nuit, Kyopoti. Et là, ça sent la clope. Je suis voisine fessée, yes. Yes, I have a Samsung, because I love it. C'est la meuf qui continue. Qui a rien compris au film. Putain, non, ça pue la clope, là. Quelqu'un qui fume dans les escaliers, c'est pas possible. C'est que ça doit être dans la rue. Oui, ça aussi je le sens. Bon, par contre, Toya laisse ta fille tranquille en fait. Elle travaille. Bon, il va être minuit. On va faire encore une petite journée de Sims et après on s'arrêtera pour la rediff. T'as la même sonnerie? Bah je crois que j'ai jamais configuré celle-là, c'est le minuteur en fait, donc je sais pas. C'est la première fois que j'utilise le minuteur. Thank you, Lynn Rouge. Team Samsung. Ouais, moi je ferai pas Apple, ça c'est clair, jamais. C'est difficile de se concentrer sur ton anglais si tard. I'm sorry. Faut dire ça à Nani, c'est elle, à mon avis elle a dû économiser 15 000 points. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait l'anglais. Apple, c'est du poop, c'est de l'arnaque surtout. Enfin bon, je dis pas qu'ils ont pas révolutionné les choses, hein, mais bon. Voilà quoi. Ah, t'es riche! Ça va, tant que ça te fait pas du mal de lâcher 15 000 points, ça va.
En vrai, faudrait que je mette encore des récompenses qui soient encore plus chères. Pour permettre à certains qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de les liquider de temps en temps. Parce que je crois que le plus cher, c'est 20 000, hein, ouais. C'est le mot. C'est le mot à 20 000. Après, il y a le English, il y a aussi le squat. C'est fait partie des plus chers. C'est 20, 20, 15 et 10 000. Ça commence à chiffrer, mais il pourrait y avoir pire, hein. Il pourrait y avoir beaucoup plus cher. Il faudrait voir quoi aussi. Bon, on va arrêter. Tu vas aller manger, tu vas aller pisser. Tu iras dormir. Oh, lapin. Viens faire le ménage. Non, je veux pas que tu... je veux pas regarder si tu l'aspires. Franchement, ça m'a suffi une fois. C'est horrible, quand ils aspirent les lapins. La télé, elle est cassée. Allez, va te prendre une petite douche. Si tu fous, t'as passé l'aspirateur? Je l'entends couiner, moi, le lapin. Doudou, doudou. C'était un lapin qui avait un fusil. Oui. Bon, moi, je peux plus rien acheter comme je suis plutôt team rediff. Ouais. Mais là, c'est bon, ça passe. Là, tu vas encore prendre quelques petits points. Et comme t'es seul, ça va plus vite. Bon. C'était un lapin du 9-3, ouais. Il avait la calache. Hein? Tout ça? Ouf, je suis fatiguée, je dis la merde. Pauvre vieille. Ah, je veux pas voir. Elle a tué ce pauvre lapin. Lapin! Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, mais ça, c'est pourri aussi! Oh là là! Mais il mange quelque chose! Préparation de conserve. Bah, tu peux pas faire de conserve, elle me disait aussi. Fais ta astic à la perfection. Ça me rappelle tout à l'heure King of Pomme qui a astiqué toute la journée, qu'il avait mal au bras. Mais il est où le lapin? Il est parti. Oh mon titi, t'es beau. Tu es beau, mon fils. Oui, tu me fais encore la tête. Tu me fais encore la tête. Non, tu me fais des sourires. Il me fait des sourires. Hein? Petit chaton. Allez, tais-toi, fais la bouffe là. Oui, de râler. Bon, en vieillissant, elle est pas terrible quand même. Avec ses rides. Dans la casserole. Oh. Les cassos. Je vous laisse déguster.
J'ai entendu la porte, mais ça veut pas dire qu'ils sont partis, parce que des fois ils remontent, ils beuglent. Ils tapent des pieds. C'est... comme d'hab, quoi. Bah, je supporte pas les Sims, mais c'est malheureusement comme ça. J'ai pas le choix. C'est comme ça. Putain, ces mères, on adore. Je suis désolée. Merci beaucoup, Myriam, pour ton follow. Bienvenue. Et pourquoi tu chuchotes? Pour pas qu'ils m'entendent. Parce que là, de ma porte d'entrée, je suis à 1m50. Hein. Donc, ce que je dis, tout le couloir l'entend. Vous imaginez, hein, quand je tape des crises sur les bambins ou autre. Non, parce qu'une fois, elle s'est énervée, elle m'a dit que je l'insultais depuis derrière ma porte. Parce que j'ai que ça à foutre. Bah oui, je l'insulte, mais bon. C'est pas... Quand c'est directement sur elle, je fais en sorte qu'elle n'entende pas. Donc je pense surtout qu'elle est passée à un moment donné où... Ah, c'est le jour des récoltes. Où je me suis énervée sur, je sais pas, sur un jeu. Et voilà. Donc je préfère... Des fois je l'entends et je ferme pas ma gueule, mais des fois je parle moins fort, juste pour pas qu'on vienne me dire que c'est moi qui... Putain, mais le temps qu'elle fasse ça... Ils ont eu le temps de tous se lever. Pas tous. Il y a juste le Hulk. Ça va, mon beau? C'est ce matin, tu vas pas te faire électrocuter? Bon, on est toujours le con de quelqu'un, donc si tu veux, au pire. Si c'est pas toi le voisin bizarre. Enfin, si tu es un voisin bizarre, tu es peut-être le voisin bizarre de quelqu'un d'autre. C'est ça qu'il faut se dire. Et après, tu regarderas la télé. Je sais pas si t'as fait tes devoirs en vrai. Tu feras tes devoirs. Mais quoi? Pourquoi il a une tarte aux framboises gâtées? Mais comment voulais-tu que je sache qu'il avait une tarte aux framboises dans son inventaire qui avait le temps de pourrir? Je n'en sais rien du tout. J'ai l'impression qu'on a tous des voisins. Oui, c'est ça. Il y a des voisinsins partout. Les fameux voisinsins. Les voisinsins de Strangerville. Peut-être elle a trouvé les rediffs, ta voisine, c'est pour ça qu'elle le sait. Ils savent pas. Et un voisin laisse tomber, il sort pas les poubelles et son chat miaule dans la salle. Oh non! Eh ben, appelle la SPA qui vient de sauver le chat. Je t'en prie. Rien que pour ça. Rien que pour ça, s'il te plaît, appelle la SPA pour le chat. Une association. Si le chat est maltraité ou ne vit pas dans des bonnes conditions, appelle une association. Au cas où il y aurait un petit creux, on sait jamais. Et si elle entend des histoires de poireaux astiqués, en avoir mal au bras, elle serait outrée. Je m'en fous. J'ai le droit de dire ce que je veux. Je suis chez moi, j'ai le droit de parler. Hein. C'est comme si j'étais au téléphone au final, hein. Donc si j'ai pas le droit d'être au téléphone et de parler avec des gens que je connais, je vois pas l'intérêt, je vois pas... Elle bugle dans les escaliers au téléphone en disant « c'est un fils de pute, c'est un fils de pute, c'est un fils de pute ». Et moi j'aurais pas le droit de dire « oh les poireaux ». Le chat mieux fait pipi par terre, ça sent dans ma salle de bain. Appelle une asso. Tu dis que t'as toutes les raisons de croire qu'il y a un chat qui est peut-être soit pas maltraité, mais qui vit pas dans des belles conditions, et que tu donnes ton adresse et tu... Enfin, tu donnes l'adresse de cet appartement, et puis eux, ils viendront peut-être inspecter, tu vois. Vraiment, fais-le, s'il te plaît, parce que ça... voilà. Tu t'en fous de lui, mais au moins, essaie de sauver le chat, quoi. Ils veulent rien faire, bah c'est pas normal. Dans ce cas-là, ils méritent pas leur réputation, quoi. Des chats errants mais devant sa porte. Ah, en plus, on se tape la journée, fait le dérécolte. Oh non, mais ils vont aller taffer, hein. Ils peuvent pas aller au boulot? Sérieux ?
Ils peuvent pas aller au boulot? Comment je veux qu'ils aillent au boulot? Allez au travail, en dehors des heures de travail, c'est bien, tu vas y aller. Oh, tu iras pisser là-bas, je m'en fous. Toi aussi, tu vas aller bosser. Allez au travail. Ouais, voilà, ça c'est bon ça. Allez au lycée. Oui. Et elle, on va la garder pour bosser ses compétences. Ça, les trois autres, je m'en occupe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Sont partis? Oui, bug. Voilà, c'est bugué. C'est bien ce que je me disais. Ok. Après, le Luc va y aller. Chacha, minou en danger, il faut le protéger. Même la gendarmerie, car j'ai eu des dégâts des eaux et le chat miaulé. Bah, c'est pas normal, il faut le sauver. Ou tu vas à toi et puis basta. Hein. Pauvre chat. Tu me le donnes, tu me l'amènes. Ça m'en fera trois. C'est moi ou les Sims bug grave en ce moment? Oh, mais on a tous des bugs. Hein. Moi, ça va encore. Enfin, j'ai toujours des bugs, mais j'en ai des pires que d'autres, quoi. Ouais, tiens, tu vas faire. Tu vas passer aspirateur légèrement et tu vas t'entraîner à faire des boissons. Hein. Parce que là, ta sœur, elle est partie. Y a des lapins qui copulent à côté. Hein. Je sais combien. C'est long. C'est abusé depuis quelques jours. Bah après, entre le nouvel opus et les mises à jour, ils essayent d'en régler, mais c'est jamais facile de voir d'où vient un bug parce que. Même si pour vous, vous les voyez tout, eux, c'est pas qu'ils les voient pas, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à trouver la source et la rectifier. Moi, après, je travaille pas dans le jeu vidéo, donc je sais pas mais si c'est facile ou pas, mais bon, vu que je n'ai pas de niveau, bah, je me dis que ça doit être compliqué déjà. Parce que je ne suis pas compétente dans ce domaine. Elle casse tout. Et voilà, niveau 5 de mixologie, c'est bon ça. Dans un jour, elle deviendra jeune adulte, on fera ça la semaine prochaine, son anniversaire et son indépendance. Et ça, on verra si on déménage du coup la semaine prochaine. Petit buzz du jour, mes Sims nager en lévitation au-dessus de la piscine. Oh, sympa, j'espère que t'as pris des photos sympathiques. Mon gros bébé de chat, 10 ans, il s'était trouvé à 2 mois sur une route de campagne à famille puis aujourd'hui, c'est l'amour de ma vie. Oh, t'as bien raison, Rick. De toute façon, les chats, les animaux, c'est ce qu'il y a de mieux. On peut compter sur eux. Tu as contacté plusieurs associations, Elysis? N'hésite pas à en contacter plusieurs, hein. Il y en a bien une qui va bouger. Même pour aller chez un particulier, moi j'en connais, Tyrion, je l'ai récupéré via cette association-là, d'une femme qui faisait des missions sauvetage, tout ça, et quand ils avaient un signalement, ben, ils allaient voir quand même plus ou moins ce qui en est retourné, et puis... Après, demander de l'aide à la gendarmerie pour rentrer dans les domiciles s'il fallait, quoi. Pour sauver les animaux. Hein. Et la gendarmerie ou les flics, les aider. Parce que, faut arrêter, les animaux, c'est des êtres vivants, c'est pas des objets. Et que si c'est maltraité... Ah quoi, à un moment donné...
Faut pas déconner. Jamie, il est même pas revenu faire de câlin, vous avez vu, hein? Ah, Luc a terminé l'école. Pauvre biche, va jouer, ouais, vas-y, va te détendre avec du jeu vidéo. Comme de par hasard. En fait, c'est son truc à elle qui vibre ou c'est le mien, là, je sais plus, moi. Elle est toujours en train de regarder son téléphone, je sais pas, du coup, si c'est le mien ou si c'est... son téléphone. Tout ce qui est humain, ça ne m'atteint pas. Par contre, les animaux, j'ai mon peur qu'ils deviennent... Oh, je suis comme toi, Signia. Je peux pas savoir. Alors, ça me tue qu'on puisse avoir un chat et leur faire du mal par négligence. C'est ça, Tandoori, je suis d'accord. Mais en dehors de la SPA, regarde dans ta ville, tu dois avoir des associations. Pour animaux, n'hésite pas à regarder Facebook et tout. Ils ont forcément des pages Facebook et tu les contactes. Tu contactes tout ce que tu vois de ta ville. Ou proche de ta ville, évidemment. Et tu leur dis, ouais, j'ai téléphoné pompier, SPA, machin, tout ça. Et puis voilà. Tu leur expliques. 2007 Simflouz. Oh là là. Toya est devenue célébrité, il doit être content. Oh, pas plus que ça. Pendant que Pomme travaille ses cocktails. Bon, par contre, elle est pas vampire, donc au bout d'un moment, je pense que oui, elle va en avoir marre. Ouais, tu vas aller pisser alors que le truc il est piégé. Salut Opaline, bah oui, passe. Oh, tu m'énerves, toi. Bah, va pisser, va casser le toilette, t'as raison. Je sais pas pourquoi il faut qu'elle aille là, alors qu'il y en avait en bas, mais c'est pas grave. Oui, c'est bon, ouais. T'as envie de pisser, mais tu vas... Ah, t'es déjà en train de pisser, mais sans être assise, c'est ça qui est magnifique. Elle m'a dit qu'un peu... Plus, donc ce sera 45 machins. Non mais oui, fais ça. Franchement, tu devrais avoir. Hein. Ça existe. Il y a beaucoup d'associations. Hein. Et heureusement, parce que tu vois, si la SPA, elle t'envoie bouler, en vrai, c'est clairement abusé. Mais... Bon, je pense qu'Opaline est légèrement fait de l'aérophagie. De la légère, mais quand même. On va faire du dîner avec du jambon. Tu veux être papy, mon petit Toyen. Ah, mais me peace to my eyes. J'ai un gros problème avec le mode vampire. Hein, je l'ai fait tous en pire, il m'obsède. Je sais pas, je l'ai pas. Je voudrais jamais qu'ils prennent des animaux et qu'ils les laissent comme ça, comme de la merde. C'est pas des pluches, non. Même les pluches, elles sont mieux traitées, j'ai envie de dire. Parce que les pluches, elles vont pas faire de conneries. Elles vont pas faire de saleté, tout ça. Donc elles vont rien casser. Alors que bon. J'ai dit, ça va pas de foutre des pièges dans les chiottes. Ah oui, mais je suis... Bah, Utopia, c'est ce que me fait Toya. Hein. Toya me fait exactement la même. Hein. Les chats, je n'ai jamais vu, mais j'entends courir. Et hier soir, des chats errants à l'escalier en miaulant et pas contents devant la porte de mon voisin. Et lui ne s'inquiète pas que les chats viennent devant chez lui avec des poubelles à sa porte. Peut-être, je sais pas, peut-être que le chat qu'il a, c'est une chatte et qu'elle est en chaleur et que les animaux errants sont attirés, tu vois. Oh, je suis pas sûre que le jambon, il va être bien réussi. Le jambon, là... Pas terrible.
fois dans mon précédent dimanche, j'entendais un bébé chat pleurer. On a mis un mot sur la porte en disant qu'on allait prévenir les flics. La personne nous a dit que sa sœur venait voir le chaton une fois par jour pendant ses vacances. Genre, tu laisses un chaton pendant toutes tes vacances avec juste une visite de par jour de 10 minutes. Surtout un petit, quoi. Surtout un bébé. Hein. Ah, ça a l'air d'aller, le jambon. Ça a l'air d'aller, le jambon. Annonce le grand repas. Sans lactose. Eh, il est sans lactose, le jambon. Ah, t'es grosse, ça, hein, Opaline. Alors, il est bon, mon jambon? Il est jambon, ce pâté. Papy Toto, qu'est-ce qu'il y a sous grand chapeau? N'importe quoi. Ça avait 10 chats, était hospitalisé. On a nourri ses chats, il est décédé. Le fils s'appelait SPA. Certains chats devaient être adoptés par des connaissances. Ils les ont attrapés. Dans des cages qu'on a voulu les récupérer. J'espère qu'ils viendraient les chercher à Quimper. Et vous paierez 90 euros. Les pauvres chats étaient traumatisés. Bah ouais. Comprennent pas. Hein. Comprennent pas. Hein. C'est difficile. Hein. Quand j'ai déménagé pour venir ici, j'avais déjà Dex. C'était mon bien le plus précieux. Mon doudou d'amour. Donc je l'avais mis dans sa cage. Pour pas qu'il s'échappe, pour pas qu'il lui arrive un truc, parce qu'il se prendrait un carton, parce qu'il était pas au bon endroit. Donc je l'ai mis dans sa cage en premier. Et j'ai vidé mon appart, carton par carton et tout ça. Au début, il était calme et il a commencé à s'énerver, mais genre, il miaulait de plus en plus et il commençait à se défouler dans la cage et tout. Parce qu'il voyait, en fait, que je partais, mais lui, il partait pas. Parce qu'en fait, c'était mon bien le plus précieux et c'était lui le dernier qui a été bougé de cet appartement et le premier arrivé ici, là où je suis. C'était il y avait que lui qui m'importait en fait, qu'il fallait qu'il soit bien. Il a pas voyagé dans le camion machin. Il était dans le truc conducteur et tout. Enfin ça va quoi. Il avait moi j'ai même pas pu avoir le camion dans le côté conducteur ou passager. J'ai dû y aller à pied parce que j'étais la seule personne qui connaissait les deux trajets pour y aller à pied entre les deux appartements et qui avait pas assez de place pour ma soeur dans le camion. Donc j'y suis allée à pied. Et il a été le premier à rentrer ici avec moi. Il avait tout sniffé dans tous les coins et tout. Il était rassuré. C'était inquiétant parce qu'il les connaissait pas. Et puis après, toutes les affaires sont venues plus une à une. Et la première nuit, ben, il m'a vu sur mon matelas. Puis je lui ai fait bien, doudou, là. Et c'était sa place. Et il est venu, il m'a fait des monstres de câlins. Il était rassuré. Il dit, j'ai ma place. C'est chez moi aussi, en fait, ici. Donc... Ouais. Ça me donne envie de pleurer parce que c'est mon doudou quoi. Voilà. Il y en a au moins 3 dans le bidou. Vous voulez savoir? Vous voulez savoir? Elle va se pisser dessus. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle a là-dedans? Je reprends ce pauvre chat si j'étais pas si agique. Ça me briserait le cœur d'entendre d'en pleurer à la porte. C'est la Saint-Patrick. Non, 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 pas du tout, Phoenix. C'est la génération verte du Notsoberry. Donc ils sont habillés et en vert. Et ils ont les cheveux verts, c'est comme ça. Elle, c'est l'héritière de la génération verte. Voili voilou, tout simplement. Des jumelles. Je pense que c'est une femelle. J'ai dit au hasard de faire quelque chose à propos de votre chat. Il m'a dit, ah bon, mon chat, limite, t'es pas au courant d'avoir un chat. Oh putain, non mais... Appelle les assos, contacte-les. Alors, qu'est-ce qu'elle a, la petite cocotte, dans le bidouchon? Et c'est un petit garçon qu'elle attend. Voilà. Il y en a qu'un. Mais je te gère plus, hein. C'est toi qui te gères toute seule, hein. Je pense que c'est une femelle. Non mais je sais. Et plus je relis la même phrase, moi. Tout va bien. Tout est normal. On est déjà 2 heures de rec. Oh la vache. Bon, je vais accélérer un petit peu. De toute façon, ils vont aller se coucher et puis basta quoi. Bon, de toute façon, ils sont partis déjà à moitié. Ils sont tous partis dehors. Dehors, dans leur lit, dehors, n'importe quoi.
C'est parfait, comme ça. La semaine pro, Pomme fêtera son anniversaire, deviendra une jeune adulte. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en frénésie. Ah, oui, c'est vrai que nos chiottes, ils sont cassés. Et puis, c'est très bien. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Voilà. Pas de foudre sur la tronche. Elle va dormir. Et nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le Note Soberry. On se donne rendez-vous, évidemment, la semaine prochaine pour la suite. Déménagera pas. Ça, on saura ça la semaine pro. Et puis, moi, Mouitou, je vous remercie de m'avoir regardé pour cette rediffusion qui était encore une fois bien longue. Mais je sais... Ça, c'est pas grave. Je pousse un truc sur mon bureau, ça fait un bruit, je savais pas. Et je sais qu'il y en a qui ont bien du courage pour mater les redifs. Donc, merci énormément à vous d'être arrivés jusqu'au bout. Alors, ce soit en x1 ou 1x1, 25 x2, tant que vous les regardez, ça me fait super plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Parce que là, ce soir, c'était pas joyeux. Mais des fois, on rigole. Allez, gros bisous à vous, YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.